Pour beaucoup de Français, le brunch du dimanche, c'est sacré. Et ça tombe bien. C'est le jour qu'a choisi le chef Olivier Dacosta pour inaugurer son nouveau restaurant. Yakuza, situé au 7 rue Elder dans le 9e arrondissement de Paris. Après le succès sans précédent de sa collaboration au Maison Albar Hotel, le Monumental Palace en 2020 au Portugal, avec Yakuza Porto, le chef revient donc en force pour la rentrée 2021. À l'occasion de cette nouvelle aventure, le gastronome propose une cuisine toujours aussi gourmande. Le tout dans un décor intimiste, aux murs teintés de street art et aux lumières tamisées. Imaginé par l'architecte Fabien Roque. Le 12 septembre 2021, Olivier Dacosta a donc réuni du beau monde pour lancer ce nouvel épisode de sa carrière rempli de saveurs. Accompagné de son épouse Andra Tot, entouré de son équipe de chefs, le propriétaire des lieux a accueilli. Avec un plaisir non dissimulé, Grégory Pourrin, le directeur général de Paris In Group. Mais aussi classe égale à HRL Alexandra Alamy, Agathe Oprou, Joey Star, Fovoto, Danse avec les Stars, le DJ Tête Fée. Pascal Elbé, Louise Monod, Grégory Pourrin, Aurélie Saada, Juliana Herc, Rita Pereira. Louis Borges, Rui Ganguina, Afsia Herzi, Grazima Safra, Ricardo Pereira et sa femme Francisca Pereira. Grégory Pourrin, Grazima Safra, Bruno Gagliasso et son épouse Giovanna Ewabank. Le restaurant Yakuzaba et Olivier promet à ses clients la meilleure cuisine japonaise du tout Paris. Rien de plus, rien de moins. Pour avoir l'occasion de faire exploser vos papilles. Rendez-vous dans le 9e arrondissement de Paris, les portes de l'établissement sont d'ores et déjà ouvertes.